À la flèche à combien ? Bonsoir. Et 122. Et vous faites dans le sud, vous ? Oui, qui vous êtes-vous ? Si vous articulez pas, je qui vous êtes-vous ? Bonsoir, bonsoir, vous allez bien ? Ah, ah oui, vous allez bien, monsieur Den ? Ouais, attendez, c'est quoi ça ? C'est à vous, ça ? De quoi ? C'est une Nightmare, ça, non ? Non, oui, mais je sais pas, moi. Oui. Hein ? Je sais pas, c'est un mec qui est dans la banque, là. C'est reçu. Genre, y'a un mec qui fait pas partie du club qui a une Nightmare, là ? C'est une blague ? Bah non, il est dans la banque, là. Oh, pardon. C'est une blague ? Non, non, excusez-moi, pardon. Je voulais sortir mon téléphone et je suis malade, j'ai un problème à la cheville et... Excusez-moi, monsieur Den. Et t'es qui, toi ? Est-ce que vous voyez monsieur Milano dans la soirée ? Alex. Alex comment ? Alex Goss. T'as une Nightblade, mec. Ouais. Ça fait une semaine maintenant. Ah ouais ? C'est une blague ? Faut vous relever là, monsieur Den, parce que je vous jure que... J'essaie, mais vous auriez plus de charisme en vous relevant quand même. Oh bah ça va, le charisme, je l'ai. Hein. Bah écoute, le jour où t'en as plus un, bah tu l'avons au club. Vous la vendez à qui vous voulez, Alex, ne vous en faites pas. Si, il la vend au club. Non, il la vend à qui il veut, arrêtez. Oui, mais il la vendra au club, Alex. En tout cas, vous avez pris pour un combat déjà deux fois, là. Hein ? Qui ? Oui. On se souvient de vous, là. Et de qui vous parlez, là ? De vous, là ? De moi, moi ? Déjà, ça serait pas mal d'enlever un masque et lunettes. Attendez, de moi, là, vous parlez ? C'est de moi que vous parlez, là ? Bah oui, vous avez pris deux fois pour un cobaye, là, une fois pour une brique de lait, là. Hein ? Ouais, pour une brique de lait. Pour une brique de lait ? Vous vous souvenez de vous ? Ouais, monsieur l'agent ? Oui, et vous ? Mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe ? Mais non, mais je me posais la question. Ah bah non, mais tout va bien. Vous voulez du lait ? Du lait ? Ah bah pourquoi pas, oui. Tenez. Ah, c'est gentil, ça. Mettez-vous à côté de moi, on se boit une bouteille de lait ensemble. Allez-y, buvez votre bouteille de lait ? Oui, bien sûr. Allez-y. Oui. Allez. Oh, j'ai dû enlever le masque, putain, je suis con. Ah, vous en vous avez foutu partout ? Bon courage au fait, hein. Bon courage à vous. Ah, je vous souhaite bon courage du coup. D'accord. Je voulais partager ma détresse avec le lait concentré. Ouais. Attendez, mais. Oui, oui, c'est une... Ah oui, la bouteille de lait reste bien coincée hein, dans la main, oui. Ouais. Ah oui, d'accord. Oh, mais c'est terrible cette histoire. C'est terrible, hein. Ouais. Oui, bon, je me souviens. Parle, mais déjà, vous allez descendre d'un ton. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un problème avec la brique de lait ? Je vous ai offert une brique de lait. Vous voyez sur une brique de lait, moi ouais, je suis là. Bah, attendez. Bah, en fait, oui, je pense qu'il vaudrait mieux que vous la vendiez à ceux-là, hein, quand vous en aurez plus besoin de la Nightblade, à mon avis. Putain, casse les couilles. Bah, où est-ce qu'il y a du fric ici ? Elle était pas bonne ma brique de lait, bordel de merde ! Ah, si, elle était superbe ! Bien sûr ! Putain, par contre, vous avez bien joué la technique de vous en prenez, enfin vous me cassez les couilles pour qu'il se barre. Ah, vous avez vu ? Putain, il faut que je refasse ça un jour. Hein. Très bonne idée. Hein. Oh, bah de rien. Après, je vous en veux quand même un peu. Hein. Oh. Pour vous mentir. Hein. Non, bah, je suis resté bloqué pendant au moins 2 heures avec cette bouteille de lait, moi. 2 heures ? Bon, bref. Allez, on allez part, bonne hein. Soirée. Hein. Attendez. Oui, dites-moi. C'est vous le shérif Turner aussi. Oui, c'est ça, c'est ça. Oui, c'est vous. Oui. C'est vous qui avez des discussions lubriques avec ma grande sœur, du coup. C'est qui votre grande sœur ? Faustine. Ah oui, bien sûr, oui. C'est pas lubrique. On discute, quoi. Elle m'a dit j'ai eu une discussion lubrique avec un shérif. Lubrique ? Je peux tester un truc sur vous ? Oui, allez-y. Ça, ne vous en faites pas, vous allez peut-être tomber par terre, mais normalement, c'est je le fais en douceur, donc vous ne le sentez pas. D'accord, okay. Mais ça serait cobaye numéro 3. Ah ouais, non, ça marche pas. Okay. Ça marche, merci beaucoup, c'était juste pour tester. C'est bon, ça va ? Oui. Oh, c'est que la troisième fois que vous prenez pour un cobaye, quoi. Oui, bah voilà. Vous avez pas encore d'autres trucs à tester, tant qu'à faire ? Bah, votre sœur, du coup. Ah bah, ben, allez-y, Oui ? Oui, alors je veux te raconter un truc, je sais pas où t'es là. Je suis un peu l'étau. Ah merde, t'es en train de vendre ? Non, je vais faire un pique-nique. Un pique-nique ? Oui. Serait-ce avec un certain shérif ? Ça va pas, non. Ah non, parce qu'il m'a parlé de toi là, j'ai croisé Turner. Comment ça ? Mais j'ai croisé Turner. Oui, mais... J'ai dit... Je vais régler mes comptes avec lui parce que, bon, ça fait déjà quand même 3 fois qu'il me prend pour un cobaye, le type. Et du coup, je lui dis, ah mais c'est vous qui avez des conversations lubriques avec ma grande sœur. Mais putain, mais... Je lui dis, t'en connais, est-ce que vous avez d'autres choses à tester, quoi ? Il me dit, bah, à part votre sœur, non ? Je parle du shérif Turner. Voilà. Du coup, voilà, je voulais juste te raconter ça, parce que... Merci. Allez, à plus.
Yo les gars, demain Phoenix livraison. Okay, c'est quand même, salut, c'est quand même très chelou. Hein. Salut. Qu'est-ce qui est chelou? Ah, le chien vient de nous raconter un truc. Vas-y, raconte Alex. Oh, depuis le début. Bah oui. Bon, c'est pas long. J'ai croisé, il y avait des WPMC à la Flicka Place Wolf. Ouais. Il y avait le shérif Turner avec eux, ils ont commencé à essayer de me demander si je voulais prendre ma Nightblade, tout ça. Du coup, j'ai fait semblant de me friter avec Turner en lui rappelant qu'il m'avait déjà pris deux fois pour un cobaye. Comme ça, ils sont partis. Ouais. Et du coup, il a dit, est-ce que je peux tester un truc sur vous? J'ai dit, ok, il m'a fait un plaquage ventral. Et du coup, j'ai dit, bah d'accord, ok, très bien. Tant que j'y suis, est-ce que vous voulez tester autre chose? Et juste avant, je lui avais dit, ah, c'est vous, shérif Turner, qui avait des conversations lubriques avec ma sœur. Avec ma grande sœur, j'ai dit. C'est quoi cette histoire de... Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a avec Faustine? Attends la fin de la liste. Attends la fin. Et bonsoir. Salut Clem. T'as repris à zéro. Vas-y Alex. Je recommence du début. Non, fini. C'est la fin. Et donc du coup, je demande au shérif si ton cognier, il a pas encore un quatrième truc à tester sur moi. Et il me répond, bah ton cognier, enfin je sais plus comment il a dit, votre sœur. Il veut se taper Faustine quoi. Ouais. Il s'emporte un peu quand même là Benjamin. Bah... Ouais, attends, ça roule. Oui, vous. Oui, super. On peut se voir. J'aurais dû lui mettre une droite, mais j'ai pas osé. Hein. Moi je l'aurais planté. On plantait peut-être pas, mais je l'aurais mis. Bon, change, en prendre une. Ah, juste comme ça. Oui. Hier soir, Faustine, elle nous a quand même sorti qu'il fallait qu'on ait plus de respect pour notre futur beau-frère. En parlant de Turner. Ça va, t'as ton pique-nique? Oula. J'y vais là. Ok. Pourquoi? Attends, tu sais qu'il y a Liam qui va aller s'embrouiller avec Turner à cause de toi là? Enfin, pas à cause de toi, hein, mais par rapport à toi, je veux dire. Pourquoi? Parce que Turner, il a lâché une dinguerie à Alex. Mais vous voulez pas vous taire en fait? Il y a un truc que je me disais, monsieur Dunn, hier. Et du coup, je vais vous le dire aujourd'hui. Ouais. Cette voiture, elle a appartenu à quelqu'un. Enfin, je suis sûrement pas venu pour parler de ma voiture. J'imagine bien, mais j'avais quand même envie de vous le dire. Un bon commissaire. Bref, je vous écoute. Je veux pas passer par quatre chemins. Ouais. Le seul monde dans lequel vous êtes mon beau-frère vis-à-vis de Faustine, c'est si elle est veuve. Ouais. C'est clair? Non, c'est pas clair, non? D'accord, ôte tes sales pattes de là. Ôte tes sales pattes de là. Ah, d'accord. Donc vous m'interdisez d'aller voir Faustine ou de parler avec elle? Non, je suis pas celui qui comprend pas ce que je dis. Oh, je comprends très bien. Et à quel moment j'ôte mes sales pattes de quoi que ce soit, en fait, monsieur Dunn? T'es un putain de flic. Et alors? T'es une putain de Kyra. Et c'est où le problème? Eh bah, justement, ouais, on vit pas dans le même monde. Bah, les couilles. Eh bah, très bien. Si, on vit dans le même monde. Non, on vit pas dans le même monde. Enfin, non, vous avez raison, vous vivez dans le sud. Non, c'est plus qu'un truc, c'est pour toi qui décide. Ah bon? Non, c'est pas toi qui décide si tu te tapes ma sœur ou pas. Allez, bonne soirée, si vous voulez parler d'autre chose, vous me le dites, c'est pas de soucis. Tu cherches quoi avec tes pourtant? C'est quoi ton but dans la provocation là? Hein? C'est vous la provocation? D'où vous venez, vous me parlez de ça? Si, d'où vous venez, vous me parlez de ça? Si. Ah ouais? Je suis très clair en fait. Ah ouais, vous êtes très clair. Ouais, je suis pas sûr. Ah. Non, pas l'endroit. Ouais. Bref. Je suis très clair. Vous voyez Faustine, y a pas de problème. Vous discutez avec elle, y a pas de problème. Par contre, vous tapez ma sœur, y a un gros problème. Ouais. Bah, vous lui avez dit ça, elle? Oh, je vais m'en charger, vous inquiétez pas. Ah oui, on en est toujours là, ouais. Ok, je vois vraiment l'image de la femme, hein. Ah ben, ça pourrait être mon frère qui se tape le commissaire. J'en ai rien à foutre, c'est le même problème, c'est la même merde. Vous êtes un chef de police, je suis un chef de gang. Et donc en fait, les gens n'ont pas le droit de faire ce qu'ils ont envie de faire. Oh putain, mais foutez-nous la paix aussi, qu'est-ce qui se passe? On est sur un trottoir. Non mais circulez. Oh merde, putain. Bonsoir, vous allez bien? Vous vous déposez quelque part? Dans le nord. Allez-y, montez. Allez, ça marche. Alors le pauvre, il est venu me parler là, le pauvre Liam Dunn là, il est venu me parler, le pire col du monde. Ah oui? Ah ben, vous à côté et le LSPD à côté, autant vous dire que quand il a voulu me mettre un coup de pression, bon le LSPD j'ai bien compris que c'était pour vous, non?
Je remonte dans le nord avec Turner. Ah, je suis pas en service, vous avez vraiment de la chance. Quoi? Hein? Cassez-vous. Cassez-vous, Fissa. Vous faites n'importe quoi. Hein. Arrêtez-vous, sinon. Arrêtez-vous. On va faire. Arrêtez-vous, parce que, putain, vous êtes avec moi, arrêtez-vous. L'individu s'arrête. Il a laissé quelqu'un. Il repart direction sud sur Shangri-La Drive. Vous avez tous des blousons du WMC ? Véhicule perdu de vue, mais il a laissé un individu sur la sur zone. Une gazole devant moi sur Sandre Spanish. Il repose. On peut plus. J'en ai ras le cul. Qu'est-ce qui se passe?